Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de séries, on va dire, que l'on peut trouver en ce moment en boutique, mais pas que, aussi sur Internet, et voir un petit peu quelles sont au fond les différentes séries que l'on peut ouvrir. Alors évidemment, on est dans une période plutôt creuse. On a tant, là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai encore oublié de brancher le micro. On va le brancher ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose que je perds l'habitude. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Le micro est ici, juste devant. Alors, c'est vrai que en ce moment, on est dans une période creuse et on attend un renouveau. Visiblement, beaucoup sont déçus, ne serait-ce sur 6.5. Alors c'est vrai que 6.5, ce qui va pêcher un petit peu, c'est la qualité pour l'instant de ce qu'on a vu hein, sur les SAR. Hein. Ça, je t'en ai parlé sur une vidéo précédente où je t'avais un petit peu teasé les différentes cartes qui étaient proposées donc sur la série 6.5. Après, il faut pas oublier que si la série drop pas mal, ça reste toujours intéressant puisqu'il y a d'autres cartes qui sont sympas, comme le format de AR qui tombe relativement régulièrement. Donc à voir quand même. Peut-être qu'on anticipe un peu cette future déception, à voir. Mais on attend surtout, et visiblement, certains m'ont dit que EV7, ça semblait pas être exceptionnel non plus. Là, on verra, et c'est vrai qu'on attend surtout un renouveau, ça veut dire un format de carte nouveau qui sort du contexte AR, SAR qu'on a l'habitude de voir, et même avant avec épée et bouclier. Moi, j'ai envie de dire que AR et SAR, c'est quelque chose que l'on a depuis un petit moment et ça s'est vraiment, vraiment, on va dire, démocratisé à partir de Écarlate et Violet avec ces deux formats-là. Et on attend évidemment du full nouveau qui devrait un petit peu renverser et refaire partir un peu plus Pokémon à la hausse. Je ne parle pas du taux de drop parce que certains considèrent que c'est le taux de drop qui ralentit tout ça. Moi, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, si tu fais un petit peu, tu remontes un petit peu dans les 10 dernières années, le taux de drop était juste catastrophique, que ce soit sur XY, Soleil, Lune. Donc, tu t'aperçois que c'est pas ça qui fait que la tendance, elle est ou elle n'est pas. Et puis, rappelle-toi la série qui a été la série tendance de épée et bouclier, à savoir. Alors, j'ai pas le booster ici. Attends, est-ce que j'ai le petit booster? Non, je crois que je l'ai rangé. À savoir Évolution Céleste, évidemment, avec le Noctali et toutes les cartes. Et pourtant, ça tombe très, 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 très difficilement. Et toutes les autres cartes qui tombent régulièrement, hein, les VMAX, les V, voire même les Full Art, ne valent pas très, très cher. Donc, on va revenir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, évidemment, on peut trouver en quantité astronomique la série Mascarade Crépusculaire. Alors, moi, j'ai envie de te dire, si tu es comme moi et que tu n'as pas encore ouvert de booster Mascarade Crépusculaire, il est bon ton, je pense, d'attendre et pourquoi pas voir si quelques tri-packs, Pokébox, booster individuel, voire même ETB seront pas en promotion durant les promos de cet été. C'est quasiment demain et à tous les coups, comme on a pu voir en décembre, il y aura de bonnes affaires à faire, que ce soit en boutique, on va dire classique, hein, Fnac, Cultura et grande surface, mais aussi sur le net, dans des boutiques indépendantes qui ont l'habitude de déstocker une partie de leur stock, qui ont du mal à se vendre. Alors peut-être que Mascarade Crépusculaire est trop tôt, mais eux ils le savent s'ils vendent ou pas des displays ETB ou tri-pack. En tous les cas, en boutique, on le voit, les tri-packs ne sont pas pris d'assaut et ça, c'est un bon critère parce qu'en règle générale, les tri-packs ont tendance à partir assez vite puisque c'est un item qui est relativement bon marché pour faire de l'ouverture. Donc, Mascarade Crépusculaire, évidemment, disponible en boutique. Il n'y a pas que ça. On peut ouvrir en ce moment aussi, évidemment, toutes les séries précédentes. Force Temporelle, très très présente. Hein, j'en ai montré assez régulièrement. Et en plus, on a tout un tas d'items hein, qui réutilisent ce genre de booster avec les coffrets Karmadura, les coffrets Tag Tag, mais aussi les Cube Box. Enfin, tu t'aperçois qu'en ce moment, il y a énormément d'items différents. Mais aussi Faille Paradox, qui est évidemment une série facile à trouver. Tu peux certainement encore trouver sur le net des ETB à très bon prix. Quand je dis très bon prix, c'est tout simplement au prix retail. Là aussi, j'ai envie de te dire prudence. Ces séries-là n'ont peut-être pas trop été vendues et on aura peut-être de bonnes surprises sur ces deux autres séries, donc Force Temporelle et Faille Paradox, en promotion. Là aussi, moi, je pense qu'on est une bonne période, et ça, je te l'ai souvent teasé un petit peu. On est dans une période de creux, hein, même sur les items scellés. Alors oui, la branche scellée pure et dure fonctionne
plutôt bien, mais la branche ouverture, donc consommation de séries du moment, là, patauge un petit peu, et encore plus avec Mascarade Crépusculaire. Moi, j'aime bien les petits boosters Mascarade Crépusculaire. Voilà. Alors, pas tous, pas toutes les illustrations, les versions Terra Cristallisée, je ne suis pas très très fan. Là, c'est un tripack un petit peu différent, puisqu'on a trois illustrations identiques. Donc, c'est encore jouable. Cerise sur le gâteau, on est dans une période qui est assez, quand même assez intéressante. On a encore du 151 qui revient. Bon, 151, c'est toujours pareil, ça revient, ça repart, ça repart, ça revient. On ne sait jamais quand ça va être en rupture de stock définitif, hein, parce qu'à un certain moment, 151, on n'en reverra plus. Enfin, je pense, parce que s'il nous fait comme Légende Brillante, on n'est pas prêt de voir 151 disparaître, puisque Légende Brillante, on sait, je ne sais plus quelle est la date de Légende Brillante, mais ça reste Soleil et Lune, donc plutôt ancienne, et on en a vu il n'y a pas très 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 longtemps, rappelle-toi, massivement distribué chez les King Jouets par exemple, et d'autres boutiques de jouets. Donc à prendre à dépincer avec des pincettes, peut-être que 151 sera une série un petit peu, on va dire un petit peu une série Joker pour Asmodée ou Pokémon Company qui savent que bah, s'il suffit de reprinter un ou deux formats d'items et on est reparti pour un bon moment de vente, hein, tout simplement. Ils savent que là, dans une période un petit peu creuse, eh ben, mettre du 151, ça redynamise leur vente Pokémon. C'est assez facile pour eux et pour nous aussi d'ailleurs hein, de dire bah, je sais que 151, c'est un item, si je l'ai au prix retail, c'est juste jackpot. Sachant que c'est une série à la fois intéressante à ouvrir, on l'a vu, l'espérance mathématique, je pense. Sans trop me tromper, mais j'ai pas updaté les datas. Mais on devrait être sur du même style, hein, on va dire que précédemment 7-8 euros en espérance mathématique, ce qui est énorme, mais vraiment énorme, point de vue de la série très jeune et au fond pas si rare que ça. Et en même temps, la série en scellé fonctionne très très bien, elle s'est installée à 10-15 euros du booster. Donc ça c'est vraiment la série Easy et on s'aperçoit qu'elle est encore revenue. Alors moi j'en ai pas vu, hein, je t'avoue, j'ai pas mal décroché en ce moment, hein, tu le sais, mais j'ai vu que certains en avaient trouvé, je crois que c'était chez les indépendants, il y avait, je crois, en plus sous forme de bundle. Cerise sur le gâteau, c'est l'item le plus culte, on va dire, 251, puisque ça a démocratisé ce format de nouveaux items, donc bundle, 6 boosters à l'intérieur. C'est basique, mais ça a fonctionné. Le packaging est sympa, c'est petit, et il y a 6 boosters à l'intérieur. Ça vaut entre 30 et 40 euros à la base, hein, je précise. Hein, maintenant, c'est évidemment plus le cas. Donc 151, c'est encore jouable. Et ça, à mon avis, hein, je te donne mon petit sentiment sur ça. 151, on n'est pas prêt de voir la série s'arrêter en restock ou en reprint, hein, tout simplement. Ce sont des reprints en plus. Zénith Suprême. Alors, Zénith Suprême, c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est une série exceptionnelle. Le taux de drop est plutôt sympa. Les formats de cartes sont juste incroyables. En plus, on a la première fois l'apparition des Alt Gold qui sont vraiment géniales. Et Zénith Suprême, ça ne s'arrête jamais. Et c'est encore revenu sous forme de coffret. Régis Liquide, Régis Drago, comme d'habitude. Comme on a eu il y a quelques mois hein, chez King Jouet. Et rebelote, King Jouet encore une fois, ont ces genres de coffrets au prix standard en plus. Donc franchement, ils nous régalent en ce moment. On a des séries du moment, des séries un petit peu anciennes, et puis on a des séries encore plus anciennes avec du épée bouclier. Sans compter, tu le sais, on a aussi les duo packs avec du Origine perdue. Ça patauge un petit peu, malgré tout, on est sur du épée bouclier. C'est plutôt sympa, Origine perdue. Le petit duo pack à 12 euros, 13 euros. Moi, je te l'ai toujours dit, je le trouve relativement trop cher. Et c'est vrai que je me laisserais tenter dans ma collection en scellé plutôt vers les 10 euros. Ça, c'est à observer à tous les coups. On risque de retrouver pendant la période de promotion de solde ce genre d'item. En promotion, 20-25%, c'est quelque chose de jouable. Alors moi, j'ai envie de te dire, là, on n'est pas loin des soldes. Les soldes, c'est fin juin. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur des sites qui ont l'habitude de proposer des soldes. Moi, je t'en ai déjà parlé. Les boutiques physiques, ça, c'est par chez toi. Tu y vas, tu regardes. Il faut être là day one, sinon ça part très très vite. Et après, ben, les boutiques. Alors, tu as des sites hein, on va dire, qui centralisent les promotions qu'on peut voir sur Internet. Mais sinon, tu as comme Pickwick qui font régulièrement des promotions tout au long de l'année, mais aussi évidemment pendant cette période de solde. D'ailleurs, ils avaient baissé de prix, hein, par exemple, le duo pack avec du Star Étincelante. Là aussi, tu peux peut-être encore en trouver en boutique par chez toi si tu es encore chanceux. Donc, la période, elle est vraiment loin d'être dégueulasse.
puisque Pokémon patine un petit peu, il y a des séries qui ne se vendent pas très très bien, donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on risque de les avoir en promotion dans pas longtemps, et puis il y a des séries qui reviennent, qui sont des séries vraiment topissimes, qui reviennent ultra régulièrement, comme je t'ai dit, hein, Zénith Suprême, ça c'est vraiment génial. Franchement, Zénith Suprême, c'est la série à ouvrir, hein, c'est vraiment le top. 151 évidemment, mais c'est plus complexe à trouver. Alors que Zénith Suprême, il suffit d'aller en boutique, et en règle générale, tu en trouves, tu peux même checker sur leur site, tu peux même les commander en ligne, etc. Donc au final, franchement, je trouve que la période est sympa. N'oublie pas, donc évidemment, on va faire les soldes ensemble. On va voir un petit peu ce que je peux trouver en boutique physique. Je ferai les boutiques classiques. Hein. Micromania, n'oublie pas que Micromania sera dans les starting blocks, c'est sous forme de promotion quelques jours avant. Ça peut arriver qu'on ait du Pokémon chez Micromania. Faut pas sous-estimer ça. C'est arrivé, le plumier par exemple à 6,99. Sans compter que n'hésite pas à faire la carte. La carte t'apporte des bons d'achat. Donc c'est toujours intéressant, ça se cumule. Même si l'item est en promotion, ça marche. Donc on verra, Micromania, Cultura, Fnac, c'est les boutiques qu'il y a autour de chez moi. Carrefour aussi. Et puis j'irai peut-être voir Leclerc dans l'espace culturel et ainsi de suite. J'ai pas parlé aussi, on peut ouvrir du Paldea. Paldea est revenu aussi, hein, sous forme de tripack. Je te l'ai montré dans mon Carrefour. Il y en a dans plusieurs Carrefour, mais aussi chez Pickwick, qui en fait Smith Toys. Hein, j'oublie, c'est son nouveau nom. Donc là aussi, Paldea, c'est loin d'être une série dégueulasse, mais il faut aimer évidemment le format de petite shiny. C'est ce qui va looter le plus régulièrement. Et au final, la série là aussi est plutôt pas mal en espérance mathématique, hein, si tu veux. Pas trop perdre sur tes ouvertures. Dis-toi quelque chose, à partir de Fire Paradox, on l'avait vu ensemble, sauf si les cartes ont baissé de prix, l'espérance n'est pas si mauvaise. Et après, tu as vraiment les grosses séries dont l'espérance est plutôt bonne, mais tu as tout évidemment sur la chaîne, n'hésite pas à aller consulter ça, on en a fait pas mal. La semaine prochaine, j'ai internet, ça y est, enfin, ma box est en train d'être pris en charge par le transporteur, voilà, je cherche mes mots, donc je devrais pouvoir réupdater toutes les données. On parlera de 151, on parlera de Paldea et on attaquera aussi Mascarade Crépusculaire. Comme je t'ai dit, Mascarade Crépusculaire au final n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il y a des AR dont la AR Evoli qui est plutôt recherchée, 40-50 €, et tu as une belle probabilité de la faire tomber, c'est pas du tout négligeable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On va teaser absolument tout ça. Moi, j'ai envie de continuer ma petite collection scellée. J'ai envie de faire au moins un petit booster scellé par semaine minimum dans ma collection. Et évidemment, on le partagera ensemble tout au long de mes différentes vidéos sous forme de short, pourquoi pas. Donc, un petit booster par semaine minimum. Et j'ai envie de me diversifier aussi dans la collection. Magic, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'il faisait aussi des emballages individuels. Et je trouve ça plutôt réussi. Alors, Magic, je t'avoue que j'irai plutôt sur le coup de cœur du design du booster. Et puis, évidemment, l'Orcana, on continuera. Et puis, on attendra évidemment le chapitre numéro 5 et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui était au fond pas si longue que ça, on est à l'habitude d'avoir des vidéos beaucoup plus longues sur la chaîne, t'aura plu, mais comme je dis, tout ça va revenir massivement la semaine prochaine. Je serai en débit continu, là c'est parti, on va y aller. Et après, le prochain objectif, ça sera la fibre. Évidemment, ça sera pour faire du stream, il faudra que je change aussi l'ordinateur, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus, ça va mettre un peu plus de temps, mais on va faire tout ça ensemble. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite.